Welcome everyone to this webinar on climate Bonjour à and tous pour ce accountable webinaire. services for children. My name is Karen Pilgrim. Je suis I'm Carole climate Pengrim, advisor je suis for conseillère climate thématique pour le environment climat et l'environnement Save the Children chez Sweden. Save I'll the be Children moderating Suède today's et webinar. c'est moi qui vais animer le The main webinaire presentation d'aujourd'hui. will Les be in principales English présentations and the se feront en slides anglais et en provide the espagnol et presentation nous offered in proposons les French, services French d'interprétation and simultanée en English. français, espagnol et You'll anglais. find instructions Vous in the trouverez les comments thread instructions provided sur la manière in dont chat. sélectionner la langue We're de very votre choix dans pleased le to see chat. Nous that sommes très heureux de voir many of you are que vous êtes joining. nombreux à There's participer still à people ce dropping in. webinaire mondial en ligne, And that's both for colleagues from Save the Children as well as colleagues qu'il s'agisse from de collègues de Save the organizations Children through the ou CSO d'organisations Sensible participant au Supply programme pour la Strategy société Program. civile financée par Next slide, l'ASDI. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Today's webinar is part of a Le webinaire priority aujourd'hui fait program for partie d'un child mois rights and d'apprentissage climate prioritaire at pour les droits de Save the l'enfant et le Children, climat chez Save where the we look Children, at the intersection où nous of child examinons rights, l'intersection climate des droits change de and l'enfant, du changement environmental climatique et legislation. de la dégradation de So l'environnement. please feel free to Donc, take note n'hésitez of pas à also our prendre colleague note des webinars prochains who are webinaires open to Save the Children colleagues and also qui our sont support ouverts à nos partners. collègues de Save the Children et à nos partenaires au cours du This mois de juin. webinar is a Ce collaboration webinaire with the Good est le Governance fruit d'une Technical collaboration Working Group entre le groupe and de the travail Climate technique Resilience sur la bonne Environment gouvernance et and le groupe de travail Sustainability technique sur la résilience Co-Working Group climatique et la at Save durabilité the Children. environnementale de Save the It is Children. co-sponsored by the How to Child Il est Rights Series and co-sponsorisé par la Sustainable série Civil How Society to Commitment Child Program, Rights et le which programme is de renforcement de la société implemented civile in financé par eight l'ASDI countries par around the world. l'intermédiaire de Save the Children We're Suède. very happy that Nous sommes très we heureux could de extend the pouvoir invitation étendre over to you l'invitation and à ce welcome webinaire everyone. à vous tous, les Today we'll partenaires, focus on how to use child-centered nos social partenaires. accountability Aujourd'hui, to nous allons improve nous services concentrer for sur la manière children in d'utiliser the la context of responsabilité environmental sociale centrée sur degradation l'enfant pour améliorer les and services climate destinés change. aux enfants dans We'll le learn contexte de la how climate dégradation de mitigation and l'environnement climate et du change changement affect climatique. services for Nous children, apprendrons comment la about dégradation de what climate l'environnement et le changement emergence and the climatique upright affectent of les services child destinés aux enfants, development and ce safety. que dit The drop l'Observation stage results générale 26 taken du Comité des for droits de resilient l'enfant des services. Nations Unies sur We les aim obligations to légales des actually États en understand matière de how services résilients et child-centered nous social comprendrons accountability Comprendrons for concrètement children, comment la responsabilité CSA, sociale centrée sur can be a l'enfant, powerful approach RSCA, to peut être une high-priority approche puissante support pour améliorer les for droits de children l'enfant and pour support et communities. avec les enfants et la société civile. Next slide, please. Diapositive suivante, s'il vous plaît. We have several speakers and Nous facilitators avons today. aujourd'hui plusieurs I would intervenants et like to welcome facilitateurs our et je panelists, souhaite la Rudina, bienvenue Lourdes, à nos Kevin, panélistes, and Rudina, Esmeralda. Lourdes, And Hermis I'll et introduce them Azmeh Rao. before Et their je les présenterai presentation. en détail avant In the leur background, we also have intervention. a En fantastic arrière-plan, nous avons team of également facilitators, des Lulu animateurs and fantastiques, Jun Sophie, Leo et Lotte Koenig, share the PowerPoint, qui and we'll partageront also le have PowerPoint colleagues et asking ajouteront des questions in the commentaires et chat des if you informations might have them. supplémentaires à travers la boîte de And then we dialogue. have Laura Bado, who will be Puis, monitoring nous avons the également chat Laura to answer Badeau qui questions in the surveillera Q&A. le chat And a warm et welcome répondra aux also to questions our dans la section Q interpreters et who R. are making this Un grand merci également à nos presentation interprètes qui ont available rendu ce in three webinaire possible en trois langues. Nous vous remercions. So, we'll kick off by Nous setting allons the scene a donc little bit. I'll be débuter briefly par sharing planter le some décor. information Je and the vais role of the child partager brièvement services quelques for informations children sur le rôle in the des services context of essentiels pour les environmental enfants dans le degradation contexte de la and climate dégradation de change. l'environnement et du changement climatique, State obligations as they're ainsi outlined que sur les in the General obligations des Covenant États for Children énoncées dans Rights, also l'Observation outlined générale in the numéro Environment 26 Framework sur les droits de Regulation l'enfant et for Children. l'environnement, avec une attention Rudina particulière portée will au changement provide an climatique. introduction Rudina of présentera ensuite social l'approche commune accountability de la common approach, responsabilité sociale which is one centrée of sur Save l'enfant, the Children's qui est l'une des plus numerous récentes approches approaches. communes de Save the Children. We then have three Nous inspiring présenterons case ensuite studies trois études de from cas Peru, inspirantes Zambia, and du Pérou, de la Ethiopia, Zambie et where de local l'Éthiopie, civil où society, l'organisation de la société civile Acción locale, por los Niños, and Save Action the pour Children los offices Niños, and ainsi partners, que les have bureaux et led les Children's partenariats Mobility du SC, ont Africa mené des projects processus de to solve responsabilité sociale environmental pour traiter pollution, les questions de pollution degradation, and true climate environnementale, de change on dégradation et de children's changement well-being. climatique sur le bien-être et les droits Here's des enfants Rudina grâce à Lourdes. l'amélioration des services. You'll then have an Vous aurez opportunity to pose ensuite la questions to the possibilité de poser presenters. des You'll questions aux briefly hear the présentateurs ou de experience partager that you have in brièvement your une context expérience de in the votre chat propre pays or dans le across chat the world. avant que nous Before we fermions really get ce started, webinaire. some Mais information avant de on the débuter, housekeeping voici rules for quelques this informations et event. règles
de fonctionnement au cours de cet événement. Ce webinaire est enregistré dans les trois langues et les enregistrements seront disponibles en ligne après le webinaire. Nous partagerons également toutes les informations ainsi que les présentations avec vous après l'événement. N'hésitez pas à indiquer votre nom, votre organisation et votre pays d'origine dans la boîte de dialogue. N'hésitez pas à poser des questions pendant le déroulement du webinaire dans la partie questions et réponses que vous voyez également en bas de votre écran dans Zoom. Veuillez donc à poster vos questions là. Et si vous pouvez vous présenter brièvement et indiquer à qui vous souhaitez poser votre question, nous vous remercions. Bien qu'aucun enfant ne participe, bien qu'aucun enfant ne participe à ce webinaire en tant que panéliste, il se peut qu'il y ait des enfants dans le public. Je tiens donc à vous rappeler le code de conduite en matière de protection de l'enfance que chacun a accepté lors de son inscription. Jun Liu sera le point focal pour la sauvegarde des enfants lors de ce webinaire et son adresse mail figure dans le chat. Vous pouvez la contacter pour toute question. Sur ce, nous commencerons le webinaire par une brève introduction au rôle des services dans le contexte du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Les enfants ont le droit d'accéder à des services essentiels de qualité tels que l'éducation, la santé, la protection de l'enfance et la protection sociale. Les États doivent fournir ces services aux enfants, comme le prévoit la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Par service, on comprend ici les biens et les activités fournis par l'État ou par des organisations privées aux communautés et aux individus. Toutefois, il existe plusieurs définitions de ces services. Dans le contexte de la dégradation de l'environnement et du changement climatique, les services essentiels ont deux rôles à jouer pour le droit de l'enfant. D'une part, ils peuvent protéger l'environnement et atténuer le changement climatique en reconnaissant qu'un environnement sain est indispensable à la réalisation des droits de l'enfant. D'autre part, les services peuvent protéger les droits et le bien-être des enfants contre les effets néfastes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Ainsi, par exemple, les services d'éducation peuvent à la fois jouer un rôle dans la protection de l'environnement grâce à des bâtiments scolaires respectueux de l'environnement et à l'enseignement de l'environnement aux enfants, réalisant ainsi leur droit à l'éducation et à l'environnement, mais aussi protéger le droit des enfants à l'éducation grâce à des bâtiments améliorés et assurer la continuité des services d'éducation pendant et après les événements météorologiques extrêmes, car nous voyons beaucoup d'enfants sans école actuellement. En tant que détenteurs de droits, les enfants et la société civile peuvent donc collaborer avec les responsables et les partenaires de services afin de garantir que les services destinés aux enfants ne nuisent pas à l'environnement et au climat, qu'ils anticipent, traitent et répondent l'impact du climat et de l'environnement sur les droits de l'enfant, par exemple grâce à des services de santé capables d'anticiper, de répondre face aux effets de la pollution de l'air sur la santé et aux maladies affectées par aux maladies dues au changement climatique. Des services qui sont résistants aux risques climatiques et environnementaux, de manière à pouvoir continuer à fournir des services en cas de conditions météorologiques extrêmes ou risques naturels. Et des services qui réduisent les causes profondes de la vulnérabilité au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, ce qui signifie par exemple qu'ils sont adaptés aux besoins des enfants autochtones ou des enfants vivant avec un handicap. Et bien évidemment, des services qui doivent être équitables et de qualité suffisante pour garantir effectivement la jouissance des droits de l'enfant. Diapositive suivante. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant a publié, sous la forme de l'Observation générale numéro 26, des orientations faisant autorité sur l'obligation des États de protéger les droits de l'enfant contre la dégradation de l'environnement et le changement climatique.
Donc, c'est ce que nous devons faire pour protéger les droits des enfants. L'observation générale 26 a été publiée en août 2023, donc n'est pas si vieille, et comprend des conseils détaillés sur ce que les États doivent faire pour s'assurer que les droits des enfants sont respectés, et ceci se fait souvent par le biais de la fourniture de services. Voici une liste non exhaustive d'exemples tirés directement du texte. Vous pouvez y jeter un coup d'œil après le webinaire. Il s'agit d'exemples qui sont pris directement de l'observation générale sur les services qui doivent être fournis pour garantir la protection des droits de l'enfant. Et comme je l'ai dit, vous pourrez les lire après le webinaire. Tout d'abord, il est clairement reconnu qu'un environnement sain est un droit et une nécessité pour la réalisation des droits de l'enfant, et que ces risques auxquels les enfants sont confrontés, ces risques environnementaux entre autres, peuvent être efficacement réduits grâce à des services qui répondent, comme je l'ai dit, aux dangers environnementaux auxquels les enfants sont confrontés, qui donnent aux enfants les compétences et les connaissances nécessaires pour se protéger et s'adapter aux risques, qui n'aggravent pas le problème en étant polluants, des services qui sont sûrs et pérennes et qui répondent aux besoins des enfants victimes d'inégalités, de discrimination. Puis finalement, il est reconnu que les enfants ont le droit de participer au processus de prise de décision, ce qui inclut, par exemple, l'adaptation des services. Les services englobent une série de secteurs tels que l'éducation, la santé, la protection, mais aussi des services moins traditionnels pour les enfants, tels que les services d'information sur le climat, y compris les systèmes d'alerte précoces qui doivent également répondre aux besoins des enfants. Dans ce contexte, je cède maintenant la parole à Rudina Ademi-Chala pour une présentation de l'approche commune de la responsabilité sociale centrée sur l'enfant. Rudina est conseillère en gouvernance des droits de l'enfant à Save the Children en Suède et co-auteure également de l'approche commune de la responsabilité sociale centrée sur l'enfant. Rudina, vous avez la parole. Merci beaucoup, Karen. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Merci d'avoir vous êtes connectés à ce webinaire. Je suis contente que nous puissions nous réunir pour partager cette approche de la responsabilité sociale centrée sur l'enfant. Cette approche, comme le disait Karen, vise à transformer l'impact et à renforcer la responsabilité des services entre les différents acteurs. Et donc, avant de débuter, je voudrais que vous preniez un moment et que vous puissiez lire ceci. Et je voudrais entre autres attirer votre attention sur l'un des programmes aux Philippines qui mettent en place ce CCSA. Nous allons nous axer sur Cassandra, 11 ans, qui a participé à l'approche CCSA dans son village de Sarangani aux Philippines. Et elle nous a dit que c'est la participation à l'enquête qui a le plus plu. Nous avons interrogé les gens sur les problèmes de la communauté. Je l'ai fait avec mes nouveaux amis rencontrés lors de la formation et nos parents. Et je suis une personne timide, mais j'aime parler avec les gens de la communauté. Je suis heureuse d'apprendre que le conseil du village a pris des mesures pour résoudre les problèmes que nous lui avons présentés. J'ai vu ses amis sourire, alors je pense qu'ils sont également heureux, a déclaré Cassandra. Il est important donc que les enfants prennent conscience de leur rôle lorsqu'ils font partie du dialogue. Donc, qu'est-ce que c'est que la CCSA?
et qui peut être également important pour tous nos sujets. Il s'agit d'une approche communautaire par laquelle les détenteurs de droits, dans ce cas-là, les enfants et les communautés, sont soutenus par les OSC, utilisent des mécanismes et des processus participatifs pour s'engager directement auprès des détenteurs de droits. Et quand je dis détenteurs de droits, je parle des décideurs, fonctionnaires et prestataires de services afin de demander des comptes et de faire valoir leurs droits. Les interventions de CCS repose sur la conviction que les enfants et les communautés peuvent optimiser les ressources et les services publics lorsque leur voix est entendue et qu'elle donne lieu à des actions réactives. Ces approches créent des espaces permettant aux enfants d'évaluer la prestation de services, de dialoguer avec les responsables, de suivre les progrès et de réclamer des améliorations. Donc, elles s'attaquent aux problèmes des gouvernements qui souvent ne donnent pas la priorité à des services essentiels, accessibles et de qualité pour tous les enfants et reconnaissent les possibilités limitées pour les enfants et les communautés de s'engager auprès des prestataires de services ou des décideurs pour avoir une influence sur les prestations et les normes qui ont un impact significatif sur leur vie, comme le disait Karen. Et nous avons vu ces services sur la diapositive antérieure. Mais comment ceci a lieu, diapositive suivante? Et là, je crois qu'on ne peut pas parler de services responsables si on ne parle pas de gouvernance et bonne gouvernance. Les deux vont main dans la main. Donc, la bonne gouvernance et les services responsables impliquent les processus de prise et de mise en œuvre de décisions concernant les droits de l'enfant. Il ne s'agit pas seulement de prendre les bonnes décisions, mais de garantir le meilleur processus possible pour prendre ces décisions en collaboration avec les détenteurs de droits. Et ceci est essentiel. Puis après, le concept de responsabilité sociale, dans ce cas-là, n'est pas nouveau, bien évidemment. Pas plus que notre engagement à faire participer les enfants à l'élaboration des lois, des politiques, des services ou des budgets en collaboration avec des partenaires. Nous, ce que nous avons fait avec cette approche, avec cet outil, nous nous sommes réunis, nous avons combiné nos stratégies pour faire participer les enfants, les acteurs locaux, les OSC et autres, et nous avons tout ceci structuré. Et donc, tout ceci sert à ceux qui ont qui s'axent sur les OSC en lien avec les enfants pour pouvoir faire participer davantage les enfants dans leurs activités. Et donc, qu'est-ce que cette approche a que nous avons développé? Et lorsque nous regardons cette diapositive, vous pouvez voir que cette approche est structurée de manière à répondre à trois questions fondamentales. Premièrement, comment, en tant que Save the Children, pouvons-nous améliorer les résultats pour les enfants dans la communauté sans fournir de services nous-mêmes? Parce que les services sont fournis par l'État, donc sont publics. Comment améliorer les services à long terme en promouvant une meilleure gouvernance, responsabilité publique? Comment nous pouvons travailler donc avec ceci, avec les enfants au sein des communautés? Et pour cela, nous obtenons trois résultats distincts. Le premier, résultat en matière de développement. Nous voulons améliorer les résultats en matière de développement des enfants, par exemple, amélioration de la santé, de la nutrition, de l'éducation.
et des services de protection, de bénéfices, etc. pour les enfants, en renforçant l'accès aux services et leur qualité et en contribuant à la mise en œuvre des droits de l'enfant. Et deuxième résultat, en matière de gouvernance, une meilleure gouvernance pour les enfants, en renforçant les cadres juridiques, politiques et financiers, en améliorant l'accès aux services et leur qualité, en réduisant les niveaux de gaspillage et de corruption, en améliorant l'accès à l'information et en instaurant la transparence, la confiance et le dialogue entre les responsables et les détenteurs de droits. Puis, le résultat en matière de participation, en créant et en renforçant des espaces permettant aux enfants de participer à l'évaluation des services, au processus décisionnel, aux activités de plaidoyer. En étant partie de ce processus, on nous pose améliorer la capacité des enfants, surtout ceux les plus discriminés, afin qu'ils puissent exercer leurs droits civils et politiques, entre autres le droit d'être entendu. Donc, pour résumer, par l'intermédiaire des enfants et les acteurs de la société civile et des communautés, nous cherchons à obtenir plus de responsabilisation pour plus d'engagement et de protection des enfants en faveur de la santé, l'éducation, la protection, la lutte de la pauvreté, etc. Et de fournir aux OSC, aux enfants et aux différents acteurs les outils nécessaires pour prendre les décisions, c'est-à-dire pouvoir fournir ce pouvoir aux enfants et aux communautés. Et je sais que vous avez posé des questions lors de votre enregistrement à ce webinaire. Quand nous parlons de services, comme l'a dit Karen, nous avons tout type de définition, mais dans cette approche, les services peuvent être fournis par le gouvernement, les agences, les organisations de la société civile ou les entreprises avec un financement public ou privé. Mais dans le cadre de cette approche, et on se concentre sur les services financés par l'État et fournis par le gouvernement à différents niveaux, soit directement, soit par l'intermédiaire de contractants privés ou non gouvernementaux, car nous avons des cas, des centres par exemple, qui sont financés par le gouvernement, mais qui sont gérés de façon privée. Et donc, il est important que l'État soit tenu responsable pour ces services. Nous avons le secteur privé qui fournit des services, mais qui sont financés par l'État. Donc, nous voulons également que l'État soit responsable, soit tenu responsable. Diapositive suivante, June. Pour atteindre ces trois types de résultats, la présente approche commune propose six éléments. Et ces éléments sont pratiques pour pouvoir mettre en œuvre la responsabilité sociale ou comment l'adapter. Le premier est d'identifier et analyser la question et les contextes. Il s'agit d'un élément essentiel. Il faut contextualiser les choses. Et ceci est essentiel pour cette approche commune. Puis, de impliquer les parties prenantes. Cela veut dire les OSC, les enfants et les membres de la communauté, ainsi que les responsables. Ces composantes sont donc essentielles ici. Et nous avons également identifié dans ce groupe de parties prenantes les filles et les garçons, et aussi les personnes discriminées. Nous avons essayé de créer des espaces sûrs pour leur participation. Parce que tout le monde n'est pas enclin à partager ses idées. Nous voulons nous assurer que nous faisons attention. Il faut également une évaluation des risques pour protéger l'enfance. Et nous voulons une participation éthique et significative des enfants, puis construire la base d'informations, d'évaluation et de preuves. Il est important de diffuser tout ceci d'une façon compréhensible, parce que parfois les normes et autres
sont des documents ennuyeux, des politiques, des normes lourdes. Et tout le monde ne parle pas le même langage, donc il est important de pouvoir partager ces documents d'une façon plus compréhensible pour tous. Puis finalement, autre composante, évaluer les services et les engagements. Il faut donc évaluer les brèches. Chaque groupe évalue, puis après, on regarde les données, et puis on rentre dans un dialogue ou une interface, cinquième composante. Il s'agit ici de réunir les responsables et les détenteurs de droits pour discuter de leur évaluation et convenir d'un plan d'action. Ce qui nous amène au sixième point, le plan d'action. Comprend plusieurs niveaux. Si le niveau communautaire n'est pas content, alors nous pouvons escalader les choses. Mais je crois qu'il est essentiel qu'il y ait un dialogue entre les différents acteurs, puis après, développer un plan d'action avec des engagements clairs, des ressources claires et un chronogramme clair. Voici, puis pardon, résumer les résultats. Puis dernière diapositive, nous avons des exemples incroyables de la Zambie, du Pérou et de l'Éthiopie. Aujourd'hui, il est important de voir comment nous pouvons utiliser la CCSA dans un environnement de changement climatique. Et ceci peut aider à la participation des filles et des garçons et des agences dans l'adaptation, dans la réduction des risques et dans la protection de l'environnement. Peut également autonomiser les filles et les garçons pour avoir une influence sur l'allocation budgétaire. Demander également que ces services puissent réduire les impacts ou la dégradation de l'environnement. Et je voulais juste vous dire que nos collègues sur la boîte de dialogue vous feront part de ressources publiques que nous avons développées tous ensemble avec certaines OSC du monde entier et obtenir un guide sur comment utiliser tout ceci dans vos propres activités. Et ce document est traduit en français, espagnol et en arabe. Et j'espère que ce matériel public vous aidera. Mais si vous avez besoin d'autres outils que vous voulez mettre en œuvre, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous remercie. Et Karen, je te cède à nouveau la parole. Merci, Rudine, pour cette excellente introduction à la responsabilité sociale centrée sur l'enfant. Je vois qu'il y a beaucoup d'applaudissements et de réactions positives. Ceci est fantastique. Alors, fort de cette compréhension, nous souhaitons maintenant entendre les trois études de cas. Processus de responsabilité sociale ont été utilisés pour lutter contre la dégradation de l'environnement et les impacts du changement climatique sur le bien-être et les droits des enfants. Nous commencerons par le Pérou, puis la Zambie et l'Éthiopie. Et donc maintenant, je suis très heureuse de vous présenter Lourdes Febres Chirinos, directrice exécutive d'Action por los Niños. Action por los Niños est une organisation de la société civile péruvienne qui œuvre à la réalisation des droits de l'enfant. Lourdes, votre organisation fait partie du programme régional de la société civile financé par l'ASDI en Amérique latine. Merci beaucoup de vous être jointe à nous aujourd'hui et de partager ce travail très important que vous faites. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Karen. Merci également à vous tous d'être connectés et pour nous accompagner dans la présentation de cette expérience qui a été très enrichissante pour nous tous. Et maintenant que nous allons la partager, j'espère que celle-ci vous aidera également dans votre travail quotidien. Alors, nous passons maintenant, s'il vous plaît, à la diapositive suivante.
Parfait. L'expérience se développe avec trois communautés autochtones du peuple Awarhoun en Amazonie péruvienne, aux portes de la rivière Marathon. Ils vivent dans une zone de forêt tropicale humide avec peu de terres cultivables. Les Awarhou conservent leur langue et leur culture, mais ils parlent aussi l'espagnol, surtout les hommes. Et contrairement aux femmes, aider aux enfants, ils comprennent cette langue. Et ils interagissent avec la culture occidentale sous l'égide du gouvernement territorial autonome Awarhou. Diapositive suivante. Alors, la vie des Awarhou est très sensible à leur environnement. Pour eux, la défense de la forêt et du fleuve contre la pollution, l'exploitation minière illégale et la contamination est une priorité. Il y a quelques années, les effets d'une fuite de pétrole a dû à une fuite de l'oléoduc norvégien a contaminé les ressources alimentaires, les terres cultivées, les forêts, l'eau, les plantes, etc. De fait, on a même trouvé des métaux dans le sang des habitants de la zone. Les Awarhou sont vulnérables face à ces problèmes, mais ils le sont davantage en raison de l'absence de services publics universels et de qualité, et parce que la gestion des services publics est peu sensible aux valeurs culturelles de cette population. Diapositive suivante. Le problème identifié par les trois communautés a été la contamination de l'eau consommée, ce qui a permis d'orienter notre intervention. Grâce à l'application de l'approche communautaire axée sur les droits de l'enfance, adaptée à cette réalité, nous avons pu mettre en place un espace de rencontre entre les filles, les garçons, les jeunes, les adolescents titulaires de droits avec les autorités locales, c'est-à-dire garantes des droits. Entre ces autorités se trouvait le président du gouvernement territorial autonome Awarhou, que l'on appelle Pamuk, et les présidents de chacune des communautés, connues également comme Parouk, ainsi que le gouvernement local et le centre de santé. L'intervention a permis de mettre en place des dialogues et des engagements pour se réunir avec les Pamuk des trois communautés dans le but de coordonner et de programmer des actions avec le centre de santé pour réaliser des analyses de la qualité de l'eau et la remise de kits pour sa purification. C'est ce que nous avons fait. Puis nous avons réalisé des campagnes contre les parasites et étant donné les problèmes de la communauté, nous avons organisé des conférences d'information sur les vaccins, la violence, les drogues, le VIH, le sida, l'eau potable et l'alimentation saine. Diapositive suivante. Si nous regardons ici, nous avons les dialogues qui ont eu lieu entre les enfants, les titulaires de droit ainsi que les autorités dont nous avons déjà fait mention. À droite, en haut, nous avons les dialogues avec le président du gouvernement territorial Awarhou, où ils lui exposent leurs demandes pour que leurs droits soient respectés. Et du côté gauche, nous avons les dialogues
avec le dialogue du centre de santé pour ce qui est de l'eau potable et consommation, et également à cause des dommages que cela engendrait sur la santé des enfants. Et en bas, nous avons les dialogues avec le gouvernement local ou le maire élu par le peuple a rencontré les enfants et que les enfants ont expliqué leurs besoins en matière d'assainissement et problèmes qu'ils ont au quotidien. Si nous passons maintenant à la prochaine diapositive, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est qu'en premier lieu, il a fallu surmonter les difficultés inhérentes à une première expérience de dialogue, d'organisation, d'opinion et de participation des enfants, des adolescents et des jeunes. Ceci a été un véritable défi. Mais d'autre part, les opérateurs de services publics doivent apprendre à reconnaître les enfants, ou plutôt les garçons, les fillettes et les adolescents, comme des sujets de droit qui requièrent d'une attention et qui requièrent un fonctionnement efficace des services publics. En outre, il était fondamental que les opérateurs interagissent avec le peuple Awaru en respectant sa culture et ses valeurs, chose qui ne fait pas partie de leur pratique au quotidien. Nous avons également constaté que la population Awaru et les opérateurs des services publics n'étaient pas familiarisés avec les concepts fondamentaux tels que la citoyenneté, la responsabilisation, les sujets de droit, etc. Car ces sujets ne faisaient pas partie de leur pratique quotidienne. En outre, nous sommes également heurtés à la réalité par rapport à la gestion des services publics, car ceci ne comportait pas de dimension interculturelle, ce qui signifiait que la qualité des services fournis par l'État n'était pas adaptée aux besoins et aux aspirations de la communauté Awaru. Passons maintenant à la diapositive suivante. Et l'idée est de savoir ce que nous avons appris. Et tout premièrement, nous avons vu qu'il était important de prendre en compte le contexte social dans lequel nous agissons, mais également le contexte économique et la partie interculturelle. Ceci est essentiel. Et si on ne comprend pas comment cette communauté établit ses relations, donc aucune intervention n'aurait été possible. Mais il est important de regarder les micro-conflits entre la communauté et les fournisseurs de services publics, ainsi que ce que la population pense de ces services, car avec leur culture, ils ont une vision particulière par rapport à la prestation de ces services et comment ils rentrent en lien avec eux. Il était donc essentiel d'inclure leur résistance, la résistance des communautés sur l'utilisation de certains services. Puis, il est important de souligner que les perceptions, les pratiques et l'imaginaire, ainsi que le sentiment commun de ces fillettes et garçons et adolescents vivant dans des zones urbaines n'est pas la même que les enfants vivant dans l'Amazonie. Ces derniers, étant donné les particularités du territoire, ont d'autres besoins, ont une autre façon de voir les choses et interagissent de façon différente avec la nature, avec la communauté et avec tout de façon générale. Donc, il est essentiel
de développer certaines compétences pour qu'il y ait plus de participation des garçons et fillettes, et surtout fillettes et jeunes femmes, ce qui peut allonger les processus pour obtenir ces capacités et s'approprier de ces expériences. Il est important de rappeler les messages aux garants, car l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques doivent tenir compte de la culture, de la langue, de l'expression, de la vie quotidienne et de la manière d'agir des enfants à Oahu. Et généralement, ce n'est pas le cas. Donc, cette facilitation du dialogue doit prendre en compte ces difficultés et ces obstacles existants, ce qui permet d'adapter des politiques publiques et une gestion des services plus adaptée au contexte culturel des Awaru. C'est pourquoi ces services ne sont pas sont vus d'une façon différente et ils ne sont pas souvent bien traités face à ces prestataires de services. Diapositive suivante. Il est difficile de rendre compte de tous les résultats obtenus, mais je voudrais mentionner les plus importants. Alors, nous avons réussi à créer une plateforme de dialogue efficace, réunissant le maire en tant que représentant du gouvernement local, le directeur du centre de santé, qui était l'autorité maximale en matière de santé dans le village, ainsi que le président du gouvernement territorial autonome à Oahu. Ceci a permis une communication ouverte et transparente. Nous avons également réussi à obtenir des accords et des engagements avec les garants de droits axés sur les sujets prioritaires pour les garçons, fillettes et adolescents, tels que l'accès à l'eau potable, la disponibilité des ordures et l'assainissement, qui dépendent des autorités. Et ceci a été possible grâce au dialogue avec ces autorités. Puis, nous avons également remis des kits de purification d'eau et une analyse de l'eau a été réalisée, ce qui a pu améliorer la qualité de vie des garçons, fillettes et adolescents. Le projet a également permis de renforcer les capacités des enfants et promoteurs, capacité pour s'organiser, s'exprimer, pour dialoguer avec les autorités. Et ils ont également obtenu une meilleure connaissance et plus d'informations sur les problèmes prioritaires. Les services disponibles au sein de la communauté et les autorités responsables et compétentes pour pouvoir répondre à ces besoins. Nous avons également réussi plus d'ouverture au sein du gouvernement autonome à Oahu et les communautés afin que les garçons, fillettes et adolescents aient plus de voix. On n'écoutait pas les enfants auparavant. Et ceux-ci ont énormément de richesses lorsqu'ils veulent, font part d'énormément de richesses lorsqu'ils publient ou expriment leurs besoins. Et nous avons pour la première fois parlé des droits de l'enfant, nous avons appris à connaître les services disponibles et à interagir avec les fonctionnaires et les autorités du gouvernement local.
de los niños la reconnaissance des enfants Awaru en tant que sujet de droit a constitué une avancée significative en matière d'inclusion, d'égalité et de pratiques citoyennes. Car ce n'était pas des sujets abordés auparavant. Et ceci a permis aux garçons, filles et adolescents d'être écoutés au sein de leur propre communauté, de participer à l'identification et à la hiérarchisation des problèmes et d'avoir une influence sur les décisions qui touchent leur vie et exiger que leurs droits soient respectés et protégés. Et ceci a été très important pour nous. Ça a été une intervention à court terme, mais nous avons réussi ces résultats. Et les enfants, si on continue, pourront se bénéficier davantage de tout ceci. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lourdes, pour votre présentation et vos réflexions très importantes sur l'adaptation du processus de responsabilisation et la formation des responsables à ce qui est culturellement approprié. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à mon collègue Hermes Mounda, spécialiste technique de la gouvernance des droits de l'enfant chez Save the Children en Zambie. Hermes, merci de nous rejoindre et de nous présenter l'initiative. Merci beaucoup, Karen, à vous. Merci de l'occasion qui m'est donnée pour vous expliquer ce que nous faisons en Zambie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nous pouvons interagir pour pouvoir sauvegarder le système d'éducation et obtenir davantage de bénéfices de l'éducation et surtout dans le cadre du changement climatique et voir quel est l'impact sur ces pays. Donc, pour vous planter un peu le décor, la Zambie se trouve actuellement dans un statut de situation de désastre, étant donné la sécheresse de la saison dernière, des inondations. Nous avons eu une sécheresse, puis après les inondations, 6 millions de personnes ont été touchées. La population zambienne est de 20 millions de personnes, donc c'est quelque chose véritablement qui nous a fortement touchés. Get from this context to just mention a few that our crop failed because of the same drought. Nos cultures ont également été touchées et nous verrons comment tout ceci a un impact sur la qualité par rapport aux enfants. Nous sommes en train de réaligner les choses avec le gouvernement et je pense que nous continuerons à le faire. Et juste pour vous mentionner, nous nous trouvons dans cette situation de sécheresse et cette présentation aujourd'hui vous montrera les impacts dans les provinces occidentales où nous voyons les effets du changement climatique et comment ceci est une barrière à l'accès à l'éducation. Nous avons développé des interventions pour développer plusieurs clubs et utiliser, entre autres, la police et différents leaders et autres acteurs pour pouvoir soutenir les demandes en matière de fourniture d'éducation et tout en fonction du budget. Actuellement, et de fait, dans une de nos réunions où les enfants parlaient avec les parlementaires, le gouvernement
a développé une politique pour fournir aux enfants de la Zambie éducation gratuite, mais nous faisons face à des défis en matière de qualité de l'éducation, car la plupart du temps, il n'y a pas d'alimentation à cause de la sécheresse. Parfois, les ponts ont été carrément détruits et donc les enfants ne peuvent pas accéder à l'école. Donc voilà ce que nous voyons un peu, puis nous demandions là. Nous posions la question, pourquoi le CCSA? Et là, vous pouvez voir, nous regardons comment est-ce que les enfants et les OSC ont vu ces impacts. Et nous notons que malgré les impacts actuels qui découlent de changement climatique et de la dégradation environnementale, les autorités ne mettaient pas en avant les priorités des enfants car les enfants n'avaient pas d'espace pour pouvoir exprimer leur voix et faire part de la dimension et des dynamiques qui sont établies à cause du changement climatique. Donc, nous avons vu comment est-ce que ces décideurs, par exemple, puissent être sensibles aux expériences des enfants et puissent développer des ressources pour pouvoir faire face à cela. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés avec cette idée de mettre en œuvre cette approche commune pour que les enfants World development committees, for example, or whether it's children's parliament, à travers plusieurs clubs, parlements ou espaces d'enfants puissent rencontrer des parlementaires ou autres autorités pour faire face à ces propos, pour leur exposer ces problèmes. Nous sommes en train de prioriser ce problème des enfants. Les enfants ne faisaient pas partie de processus auparavant, mais il est important de voir où est-ce que ce budget est alloué. Et donc, nous avons participé au budget national. Dans ces districts, les enfants ont été mobilisés pour envoyer des demandes au ministère du Financement et pour la planification nationale afin de protéger des services tels que l'éducation par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Par exemple, nous avons demandé des programmes alimentaires pour les écoles parce que souvent ils proviennent de familles qui n'ont pas d'aliments à cause de ce problème de la sécheresse, ou il y avait d'autres demandes, par exemple, sur la création de nouveaux ponts pour que lorsqu'il y ait des inondations, ils puissent continuer à aller à l'école. Voici donc ce que nous voyons actuellement. Les enfants votent pour les demandes prioritaires, puis après les envoient. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est les votes en fonction de ce qu'ils vivent. Nous avons ici que des jeunes filles. Et nous avons une autre avec seulement des garçons. Nous avons trois espaces d'engagement. De façon à ce que les jeunes filles soient ensemble, qu'elles puissent prendre leurs décisions de façon indépendante. Et tout ceci pour s'assurer que ces demandes soient envoyées. Puis après, nous faisons un suivi de ces demandes. Une fois que ces demandes sont remplies, nous avons un groupe de parlementaires qui regarde le budget, qui débattent.
Et une fois que ceci arrive au ministre de finances, de la Finance, que le budget est donc alloué, il y a un suivi qui est réalisé pour nous assurer que les voix soient écoutées. Et nous le ferons au sein des clubs nationaux des enfants, entre autres. Of the constituency development funds, one of the key things that has happened is that point clé en Zambie, c'est qu'il y a une décentralisation d'évolution des ressources, donc il y a énormément de dépenses au sein des différentes circonscriptions. Et ceci a eu lieu au cours des deux, trois dernières années, où le fonds de développement des circonscriptions a été fortement augmenté. En 2021, nous étions à 1,2 million de Guacha et maintenant, nous avons 13 millions de Guacha. Donc, cet argent est dépensé au sein des circonscriptions et ceci est un point stratégique pour les enfants et pour s'assurer également que ces circonscriptions dépensent correctement. Nous avons des comités CTF et tout type de communautés qui se réunissent avec les enfants pour s'assurer que les effets du changement climatique, que face aux effets des changements climatiques, une réponse est fournie. Vous pouvez maintenant passer à la diapositive suivante. Voici certains résultats que les politiques de protection sociale sont maintenant en œuvre. Nous avons et maintenant des mesures de protection de l'enfant qui sont sensibles au climat. Par exemple, le programme de transfert de cash ou les programmes alimentaires, tout ceci sont des mécanismes de protection sociale. Accountability that children are doing, and we're seeing the how et nous voyons comment évolue le gouvernement et cherche toujours et cherche à soutenir les familles de différentes façons avec des kits alimentaires ou autres. Bringing that face of climate sensitivity to social protection programs. Afin que ce volet climatique soit intégré dans la protection sociale des enfants. Puis nous avons un programme alimentaire également. Au niveau des écoles, l'État est en train de mobiliser des ressources et nous sommes en train de développer cela non seulement au niveau des écoles, mais nous cherchons à voir comment le gouvernement fait face aux situations de sécheresse et nous assurer que les enfants dont les parents n'aient pas pu obtenir les récoltes, des récoltes peuvent dans tous les cas avoir accès à l'alimentation. Nous avons également inclus le changement climatique dans le programme scolaire. Et je me rappelle que l'un des enfants, à un moment donné, a dit « si on continue à demander aux personnes mais ne comprennent pas ce que nous sommes en train de demander, on n'obtiendra pas de réponse. » Donc, il est important de s'assurer que les générations à venir puissent expliquer comment répondre aux effets du changement climatique. Et c'est pourquoi le gouvernement inclut le changement climatique dans le programme scolaire. The curriculum are becoming more climate sensitive, and all of these things were also followed up. And I'll talk to. À ce que ceci soit mieux compris, nous avons également fait le suivi de tout cela, et nous voyons que ceci est un véritable résultat.
Puis nous avons également l'approbation du gouvernement pour la création du Conseil de changement climatique. Le ministère de l'Éducation et de l'Économie a donc approuvé cela. Les enfants ont créé ces espaces pour pouvoir demander plus de comptes à leur leader. Diapositive suivante. Pour ce qui est du renforcement des capacités et pour s'assurer que ceci est compris, il faut créer une atmosphère équilibrée et donc pour que cette approche commune soit mise en œuvre de façon efficace, nous procédons à des formations au niveau des clubs des droits des enfants et on leur explique comment participer, quand exactement participer, eux qui sont les futurs leaders, futur veut dire quoi exactement. Donc, il est important de préparer les enfants au niveau de cet aspect pour comprendre cette approche commune au sein de ces clubs afin qu'ils puissent participer après au sein de leurs propres écoles. Beaucoup de ces écoliers qui se trouvent dans ces clubs ont des plateformes pour interagir avec les directeurs d'école et donc peuvent participer à la prise de décision au niveau des écoles. Et peuvent ainsi être des leaders. Et ils utilisent ça. De fait, j'ai un exemple d'un garçon à Copper Belt. Son père était le directeur de l'école. Et je me rappelle avoir parlé avec son père et il y avait une réunion avec les autorités de l'école, les parents, les enfants. Demands on behalf of fellow children, and was very forthright with those demands. And you could donc, see that il a exprimé des demandes très fortes et donc il n'y avait pas de compromis. Il demandait des comptes à son père. Puis également aider les partenaires locaux et les programmes pour s'assurer que nous promouvons les programmes locaux et s'assurer que les OSC tiennent pour responsables les autorités en se fondant sur les demandes des enfants. Donc, ce n'est pas simplement dirigé par les OSC. Par exemple, lorsque nous étions face aux parlementaires, grâce au programme des droits des enfants et de la CCSA, nous avons pu donc savoir quels étaient les points importants. L'éducation est essentielle et l'éducation de qualité également. Donc, nous avons véritablement créé ce lien entre ces acteurs et une approche commune de ces CSA. Il est important de continuer à renforcer cela. Puis, la formation et les structures communautaires. À Lundazi, par exemple, les enfants ont participé à ces réunions et ont demandé la création d'une rampe, par exemple, qui a été construite. Nous soutenons nos partenaires pour une approche commune. Voici donc quelques
chose que nous faisons pour nous assurer qu'il y a un renforcement des capacités. Puis soutenir les engagements entre les enfants, les membres des communautés et les autorités. Ici, il y a eu des investissements massifs pour la formation des employés sur ce qu'est la responsabilisation face aux enfants. Et donc, nous sommes en train de comprendre ceci. Nous avons eu la participation de plusieurs ministères. Children have been able to engage and supported to that respect, and we are happy to report, for example, that during the COP 28, au cours de la COP 28, le gouvernement a décidé de compter sur des enfants comme des membres à part entière de la délégation, de leur délégation face à la COP 28. Et ceci renforce les demandes des enfants. Green economy and environment MPs, as I stated, the caucus on children. Également, nous avons le caucus sur les enfants. Il s'agit de l'une des plateformes que nous avons développées pour obtenir les idées des enfants. Nous avons plusieurs comités et leaders communautaires également. Dernière diapositive. Voici quelques enseignements. Et ce que nous voyons ici en Zambie est que les enfants ont véritablement un vécu sur les effets du changement climatique et cette approche commune et la CCSA fournit une plateforme pour qu'ils puissent participer de façon plus efficace et demander aux autorités de faire face à ces problèmes. Et donc, Justine a dit, à cause du changement climatique, je ne peux pas me concentrer à l'école à cause de la chaleur qui est trop forte. Donc, mon droit à l'éducation est touché. Nous avons maintenant une politique d'éducation gratuite en Zambie. Nous étions réunis à Lusaka, à l'hôtel, comme vous pouvez le voir, avec des ministres, leaders des OSC, etc. Nous félicitions, nous nous réjouissions et nous étions tous en train de nous féliciter. Mais la chaleur qui découle du changement climatique touche à ma qualité ou à mon la possibilité d'accéder à l'éducation. Comment faire? Pouvez-vous financer nos écoles pour avoir des airs conditionnés ou autres? Et voici un enseignement. Les enfants savent exactement ce qui se passe au quotidien et si nous leur fournissons des outils, ils peuvent demander exactement ce dont ils ont besoin. Deuxième enseignement, nous voyons ici que le changement climatique porte atteinte à la qualité de la fourniture des services. Nous devons nous axer sur cela. Nous avons besoin de financement. Et vous voyez qu'au sein de l'éducation, nous avons des programmes alimentaires. Par exemple, j'ai demandé aux enfants infrastructure. I spoke to children that one of them, for example, because their school had latrines away from classrooms, and they were saying when it is raining or it's flooded. Il me disait par exemple que nous avions des latrines loin de l'école et que quand il pleut, il est difficile d'y accéder. Donc, il est important de
redesigner l'infrastructure de l'éducation en fonction de ce que nous disent les enfants. Car beaucoup d'entre nous, ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés à l'école, donc on ne comprend pas les dynamiques du changement climatique. Mais lorsque vous réunissez les enfants et les autorités et qu'ils vous expliquent ce qu'ils ont vécu hier et pas il y a 10 ans, nous pouvons ainsi orienter davantage les programmes. Donc oui, comme le disait Tawana, l'éducation est maintenant gratuite, mais lorsqu'il pleut très fort et que nos ponts sont ainsi détruits à cause des fortes pluies, nous ne pouvons pas accéder à notre droit à l'éducation parce que nous ne pouvons pas aller à l'école. Donc, voici ce que nous apprenons des enfants. Merci, merci beaucoup Hermès. Merci pour cette présentation incroyable. Je m'excuse, mais nous avons besoin de laisser un peu de temps pour notre prochain intervenant. En tout cas, merci de cette expérience excellente et de nous avoir fait part de la voix des enfants qui ont participé à ce processus. Et maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole à ma collègue Azmeh Rabelaï, responsable thématique de la gouvernance des droits de l'enfant chez Save the Children en Éthiopie. Je vous remercie de vous être connecté, Azmeh Rao, et vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, oui. Merci beaucoup pour l'occasion qui m'est donnée de pouvoir vous présenter l'expérience, de vous présenter l'expérience de l'Éthiopie. Alors, lorsque je parle de responsabilisation, et de programme CCSA, et nous participons à ce programme de services climatiques et responsables pour les enfants. Quel est le contexte? L'Éthiopie fait face à des dangers liés au climat, notamment des sécheresses, des inondations, des températures extrêmes, ce qui exacerbe ainsi les problèmes associés avec la pauvreté ayant un impact sur la population vulnérable. Surtout la partie de la production, rendement agricole. Tout ceci est en train de toucher de façon négative la production et contribue à la pauvreté et ainsi qu'à l'insécurité alimentaire. Donc, les familles doivent trouver des stratégies pour pouvoir faire face à cette situation négative. Les problèmes maintenant, par exemple, nous avons un aliment important, le N7, mais en Éthiopie, nous faisons face à des problèmes, à des effets très forts du changement climatique. Et l'N7, ou la fausse banane, est vulnérable aux infections bactériennes. Par conséquent, les communautés vivent véritablement ce problème, car il y a un manque de moyens de subsistance et de sécurité alimentaire. Alors, l'autre problème est le déboisement qui entraîne une dégradation des territoires. Et ceci est en train d'entraîner la réduction de la productivité et des cultures. We initiated the child-centered social account program, and then Donc, nous avons débuté le programme de CCSA
Les garçons et fillettes sont membres, ainsi que la société civile. Voici donc l'objectif du CCSA. Nous avons identifié que le déboisement entraînait une dégradation des territoires et réduisait la production agricole. Par conséquent, nous avons organisé un dialogue entre les institutions et les autorités. Et quels sont les engagements ainsi obtenus? Alors, la protection environnementale et les clubs environnement fondés sur les basés au niveau des écoles pour renforcer la protection environnementale, entre autres, et l'éducation. Puis également, les écoles et les communautés ont organisé une initiative pour planter davantage d'écoles au sein des écoles et des communautés, surtout dans les territoires dégradés. La communauté a été mobilisée pour participer à cette plantation d'arbres. Puis, les autorités locales ont participé à tous ces processus également et ont créé une zone protégée afin que cette zone, avec cette zone spécifique, soit protégée, que l'on puisse protéger donc ainsi l'environnement. Les perspectives des droits des enfants et des droits environnementaux ont été prises en compte. Donc, nous avons fait que les autorités soient conscientes de ce qui se passait. L'interprète s'excuse, mais nous n'avons plus de son en cabine. L'interprète excuse, mais le son est de très mauvaise qualité, ce qui ne permet pas une bonne interprétation. When they plan about environmental protection, etc. So they brought the child rights perspective. How does that impact? Et donc, nous avons compté ainsi sur la perspective des enfants au sein des bureaux de protection des zones environnementales. Et finalement, les problèmes qui ont été abordés par les groupes de CSA et les enfants qui participaient aux actions climatiques de zones et de districts, et s'il y a eu davantage d'engagement de la part de ces enfants. Deuxième intervention, des maladies spécifiques de l'ENSET qui portent atteinte aux moyens de subsistance des communautés. L'interprète s'excuse, mais nous n'avons plus de son en cabine. Nous nous excusons, mais l'audio ne permet pas une bonne interprétation. Les groupes CSA ont rapporté que la maladie ENSET est en train d'être contrôlée et l'autorité gouvernementale a signé avec la communauté un protocole et ont élaboré un rapport pour comprendre la façon dont ceci porte atteinte à la subsistance, au moyen de subsistance de la communauté. Les autorités gouvernementales, la société civile et les communautés participent à ce processus. Maintenant, le gouvernement et les autorités ont fait partie de ce processus.
le bureau de l'agriculture, les affaires sociales et des femmes, le bureau de santé au niveau du district, tous ont participé. Nous avons donc retiré les plants infectés et qui ont été remplacés par de nouveaux plants. Nous avons développé un soutien technique à chaque famille pour s'assurer que ce plan N7 soit donc un plan sain, une plante saine. Et nous avons mis en œuvre à la disposition de chacun des médicaments pour s'assurer que ces plants ou plantes soient saines et permettre ainsi la sécurité alimentaire. Dans les deux cas, dans ces deux interventions, ce sont les mêmes groupes qui participent, les OSC, la société et les communautés locales, pour faire face à ces problèmes. Interprète, s'excuse, mais nous n'avons plus de son cabine, une fois de plus. Quels sont les enseignements tirés? Je vais être rapide. Alors, nous avons demandé aux enfants ce qu'ils avaient appris de cela. Donc, le renforcement des capacités pour qu'ils puissent comprendre ce que signifie le changement climatique, la dégradation environnementale. The climate crisis would not seen as a child's crisis, puis, as I say, and then affecting la crise climatique nous touche tous. Par conséquent, et il est important que tout le monde puisse participer, ainsi que les garçons et fillettes. Protection serves as entry points to identify climate and environmental issues that are actually affecting children's rights and their families. Il faut également comprendre que les questions environnementales portent atteinte au développement des fillettes et des garçons. Grâce aux enseignements tirés, nous avons développé un manuel qui aide et qui est intégré au programme scolaire afin de pouvoir mener à bien des actions. Ce manuel, ce guide, est fondamental à différentes composantes. Et ce matériel peut être utilisé par les enfants et les autorités. Et sert de guide à la formation sur les droits des enfants. Et ceci a été développé avec Save the Children, la société civile, ainsi que les professeurs des écoles. Stakeholders include children and the government officials and also schools and the communities. And then now I think les écoles et les communautés peuvent utiliser ces guides. Lorsque l'on prévoit des actions climatiques, ils peuvent avoir recours aux perspectives des filles et des garçons. Celles-ci peuvent être incluses. Et nous allons partager avec vous par la suite tout ceci, ce manuel, car nous y travaillons encore. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup, Asmera, pour cette très belle présentation et pour le travail très intéressant que vous faites en Éthiopie. Je crois que nous arrivons à la fin de notre session. Je peux peut-être répondre à une question que nous avons reçue lors de l'inscription, une question
sur les enseignements et réflexions pour s'assurer que les enfants tiennent pour responsables les autorités. Dans les commentaires, dans l'observation générale 26, nous prenons en compte l'importance de la participation des enfants pour nous assurer que les systèmes d'alerte précoce fonctionnent et pour s'assurer que toutes les informations soient disponibles aux enfants. Et je sais des collègues à Malawi que Save the Children et les partenaires locaux ont travaillé avec les autorités météorologiques et les écoles pour pouvoir développer un système d'alerte précoce avec les enfants dans certaines sous-régions. Ils n'ont pas forcément utilisé l'approche complète de CCSA. Mais comment est-ce que la responsabilité sociale peut être un outil pour pouvoir s'engager davantage face aux informations fournies par ses fournisseurs de services? Merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci, Regina, pour nous avoir présenté le contexte. Merci à tous nos intervenants et à tous ces études de cas. Et ceci nous donne énormément d'énergie d'écouter vos expériences, de voir le changement et voir comment ils demandent des comptes et quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre. Donc, merci beaucoup pour tout ceci. Merci également à notre audience. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. Nous allons donc vous envoyer les enregistrements dans les trois langues ainsi que le PowerPoint et le document avec les questions et réponses où vous pourrez donc lire les questions puis voir quelles sont les réponses fournies. Nous vous enverrons cela la semaine prochaine après ce webinaire. Merci une fois de plus à tous et je vous souhaite une très belle journée. Thank you. Merci.